détail qui est amusant depuis hier que je suis parti avec la mienne, je n'ai eu en fait que des problèmes de batterie. J'ai d'abord eu l'arrivée sur la batterie de la voiture, ça on peut le comprendre, mais c'est mon téléphone qui est tombé en rade avant d'arriver. Et c'est la caméra aussi où j'use énormément de batterie. Donc c'est ça qui est assez drôle. Le pétrole a encore beau jour devant lui, vous voyez, parce que tout n'est qu'énergie aujourd'hui, en 2014. Alors là, vous voyez, on commence à rentrer dans la zone anxiogène, presque, que 15 bornes. Alors je sais qu'en fait, il y a 5 km de sécurité, donc il doit me rester 20, 25. Voilà, alors j'arrive sur zone, mais encore faut-il que je trouve ce putain de Leclerc, pardonnez mon expression, encore faut-il que je trouve le Leclerc qui m'a assuré qu'il y avait des prises. Ça y est, j'avais été content, si content de trouver le Leclerc de ma vie. Sauvé. Alors on va voir comment ça marche. Donc il me reste 15 bornes, vous voyez, j'en ai fait. Donc ça ne marche pas, il faut aller dans le centre demander une clé. Vous ne pouvez pas recharger comme ça. Voilà, on est content. Ah, c'est pas Dominique Chapat qui ferait ça. Encore faut-il trouver l'endroit où vous pouvez demander la foutue clé. Voilà. Voir si c'est là. Bonjour madame. Bonjour. J'ai une voiture électrique. On m'a dit que si je venais avec ma carte, vous allez me donner une petite clé. Ah, ça, c'est super. Ah, génial. Voilà. Donc je tourne et ça met le. Voilà. Après, donc vous. Je vois comment ça marche. D'accord. Hein bon. Je vois comment ça d'accord. Fait. Merci. Bon, allez, c'est parti. Prions. Donc, un. Accordez votre véhicule, insérez, tournez votre clé pour essayer, vous pouvez retirer. Vous pouvez retirer la clé sans la tourner. Alors, est-ce que ça marche, nom de Dieu? Oui! Oui, ça marche. Et il me restait 17%. Bon, ben, j'ai plus qu'à aller pointer. Bon. Il est 1h15, 2h de charge pour remonter à 63 km. Encore, mais il reste 30 bornes. Là, il me dit que je peux en faire 60. Ça devrait être bon. Et rendons à Leclerc ce qui est à Leclerc, comme l'on dit, qui au moins est le seul à proposer des bornes de recharge. Super, la Normandie au mois de mai. Bon, voilà, on touche au but. J'ai enlevé le mode éco, ce qui me reste 20 bornes et que je suis en fait à 2-3 km. Quelle aventure quand même, hein. C'est de la route presque 25h30 pour faire 222 km. Bon, j'ai passé une nuit à une charge de 5 heures, mais le pétrole a encore de beaux jours devant lui, quoi. Ah ben on est content d'arriver. Vous savez, il y avait une pub dans le temps. Il y avait une pub dans le temps pour Please, je crois. On voyait une actrice qui jouait souvent les concierges, qui s'appelait Marie-Pierre Cazet. On essuyait la table, elle se jetait. On mettait du Please et après elle se jetait sur la table avec son pour essuyer. Elle disait, je ne ferai pas ça tous les jours. Mais ce sera ma conclusion. Je ne ferai pas tous les jours 200 bornes en Mia. Voilà le mot de la fin. C'est crevant.